Nous allons parler de Alpha Bio, dont on parlait de son arrestation, ce qui s'est passé, comment il a réussi à quitter la Guinée, pourquoi il a démissionné de la Maison des associations et ONG de Guinée, MAO, pourquoi il a démissionné de l'association Partagée au maximum. La Guinée est prise en otage par des bandits. D'abord, avant de parler, il faut que les gens sachent c'est qui Lansana Diawara. C'est lui Lansana Diawara, le fondateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. C'est lui le fondateur. Vous le voyez bien ici avec Mamadi Doumbouya. Vous le voyez très bien ici avec Mamadi Doumbouya. Maximum de partage. Il faut qu'on vous donne la vérité de ce qui se passe dans le pays. Parce que beaucoup de Guinéens ne sont pas informés, pas de médias. En même temps, Lansana Diawara, c'est le directeur du Fonds de développement social et de l'indigence. Le même Lansana. Il travaille dans le gouvernement. Vous savez, chaque fois je vous dis, même certains propriétaires fondateurs de certains médias occupent des postes de directeur aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces médias-là vont dire? Quelles critiques ces médias-là pourront faire contre le pouvoir bandit actuel? Donc, Alpha Bio, vous savez, on avait tous annoncé ici qu'il avait été arrêté. C'est des jeunes engagés qui ont décidé, qui ont refusé, parce que le FNDC, quoi qu'on dise, ils avaient tout devant eux. Ils avaient le gâteau devant eux. Ils pouvaient prendre l'argent ou occuper des postes. Fonike Mangé, on lui a proposé ici des postes de ministre. Il a refusé. Donc, Alpha Bio de Mao aussi, il a été menacé. Il a été menacé par des agents. Ils l'ont appelé. Tu es où? Vous ne venez pas vous rendre ici. On va vous brutaliser comme ils ont fait le cas de Fonike Mangé. Donc, Alpha a reçu l'appel de l'une de ses connaissances pour lui dire il faut changer de numéro ou changer de position. Et c'est ce que Alpha Bio a fait. Il a changé de numéro. Il n'était plus en contact. Personne ne pouvait le joindre. Il s'est cherché. Et c'est pourquoi, quand les Fonike ont été arrêtés, nous avons tous annoncé ici que Alpha Bio a été arrêté. Ça faisait partie de leur plan. Si quelqu'un disparaît automatiquement, il faut annoncer qu'il a été enlevé. C'était le plan. Donc, avec les menaces du pouvoir du CNRD, vu que ceux-ci ont pris position avec les Kunduno et les gens-là pour le retour à l'ordre constitutionnel, parler de la vie chère, le manque de courant et beaucoup de choses dans le pays, fermeture des médias, ils ont pris position et ils n'ont pas voulu écouter c'est-à-dire la pression, les menaces des bandits du CNRD, ils n'ont pas voulu écouter cela. Donc, ils l'ont menacé, il a cherché à quitter. Il allait dans un pays voisin. Maintenant, on a vu qu'il a démissionné. Je vous ai dit, le fondateur de la Maison des associations et ONG de Guinée, voici le fondateur, Diawara, qui est aujourd'hui, qui a été nommé par Mamadi, qui occupe un poste clé dans ce gouvernement. Vous savez, c'est ça l'erreur de la Guinée. Il y a des gens qui viennent, ils créent des ONG, des associations, ils créent la presse juste pour avoir une influence. Donc, Bayo, sous l'influence de son patron, le fondateur,
Parce que lui, aujourd'hui, il occupe un poste clé. Lansana Diawara, aujourd'hui, qui occupe un poste clé au sein du gouvernement, qui met la pression sur Alpha Bayo. C'est-à-dire, il veut que Bayo, comme c'est lui le fondateur, fasse ce que lui veut. Et ceux-ci ne veulent pas entendre ça. Ceux-ci veulent entendre. Ils veulent entendre le retour à l'ordre constitutionnel, les médias fermés là, qu'on lève les sanctions contre les médias. Voici des valeurs que Alpha et les autres défendaient. Mais leur patron aujourd'hui, qui occupe un poste, qui est le directeur général de fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget. Directeur de fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget. Il est nommé par Mamadi. Donc, il a mis la pression sur Alpha. Bon, quand tu es à la tête d'un mouvement, tu n'es pas le fondateur. Et le fondateur Diawara, il appelle les membres de l'association, de l'ONG, il influence sur eux. Donc, Bayo n'est plus écouté. Tu ne peux pas être là, on dit non, tu es là à la tête d'un mouvement et les Guinéens voient autre chose. Mettez les cœurs. Parce que j'ai mal fait de dire que je vais faire le live. Donc, ils vont réduire le débit de connexion. Le live sera perturbé. Mais avec tout ça, nous allons faire le live partagé au maximum dans tous les groupes. Donc, ces bandits-là, ils ont influencé sur cette ONG qui veut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, Bayo, la démission de Bayo vient de là-bas. Bayo a compris que son patron, Lansana, ne veut pas aller sur la voie que eux, ils ont décidé. Donc, il a démissionné en même temps. Parce que ça a étonné tout le monde. Les gens ont pensé que non, Bayo, on avait dit qu'il a été arrêté, c'est parce que il avait changé de numéro, il a éteint son téléphone, il n'était pas en contact avec ses amis, et c'est le consigne qui avait été donné. Si quelqu'un disparaît, automatiquement les bandits l'ont arrêté. Donc, pour lancer la lettre, ça a été le cas de Bayo, donc il a réussi à s'échapper. Mais sa démission est venue après parce que son patron, l'influence, ils ont commencé à appeler l'association, au lieu de parler du retour à l'ordre constitutionnel, au lieu de dénoncer la fermeture des médias, le patron, Lansana Diawara, a influencé sur les membres de l'association. Vous savez, les gens ont faim aujourd'hui dans le pays. Rien ne va dans le pays. Ça ne va pas du tout. Les gens ont faim. Donc, le monsieur, sa démission, ça fait partie de sa prise de position et il ne s'est pas attendu avec le fondateur même qui est Lansana aujourd'hui, Lansana Diawara. Donc, le jeune, il a démissionné. Mais, il mène le combat. Il mène le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'a rien à voir avec ce que l'association, la maison des associations et ONG de Guinée aujourd'hui. Tout ce qui est décidé là-bas, Bayo n'a rien à voir parce qu'il ne voulait pas être impliqué. Ils vont aller faire des mouvements de soutien où les gens vont voir, ils vont dire « Ah, c'est des vendus ». Donc, c'est un peu l'histoire de Bayo dont on avait annoncé l'arrestation et voici comment le pays fonctionne aujourd'hui. Il y a des médias aujourd'hui dont les patrons sont nommés par le CNRD. Ils sont directeurs dans le gouvernement du CNRD. Qu'est-ce que ces médias-là vont dire contre le CNRD? Donc, le pays est pris en otage. Et les Guinéens oublient que même après le cas de Bayo, il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtées. Les médias n'en parlent pas, les gens n'en parlent pas. Et voici la liste des membres de la dynamique arrêtés lors des manifestations. Mamadou Ramadan Diallo, Mamadou Korka Diallo ont été arrêtés. Gandhi Gagni Diallo a été arrêté. Tous ont été arrêtés ces jours-ci. Les médias n'en parlent pas. Le CNRD, ils veulent pas que quelqu'un conteste leur position, leur ligne. C'est-à-dire, eux, ils ont décidé de rester au pouvoir. Personne, aucun Guinéen
ne doit s'opposer à leur ligne pour dire nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ils continuent à kidnapper. Hier, vous avez suivi mon live d'hier soir où j'ai parlé de la présence des agents du CNRD, parce que moi je les appelle des escadrons de la mort, parce que juridiquement ils ont tout fait, ils ont influencé sur le pouvoir de Dakar, et comme au Sénégal la justice est indépendante, on ne peut pas enlever un citoyen à Dakar, l'amener en Guinée comme ça, comme si il n'y avait pas de justice. Ils ont tenté sur Hadji Le King, ça a échoué. Ils ont tenté sur l'un des petits de Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, dont on a parlé de le petit aurait détourné de l'argent. Mais ils ont tout fait, ils ont menti, lancé un mandat d'arrêt contre le petit, envoyé l'Interpol contre le petit, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les Alpha Bayo, Ibrahim Diallo de FNDC et plusieurs opposants. Parce que le CNRD, ce que les gens ne savent pas, avant que le président Diomaye Faye ne devienne président, ils ont apporté leur soutien au parti de Ousmane Sonko. Pour eux, si ceux-ci gagnaient, ils allaient avoir la main libre. Ils pensaient que ces gens-là, c'est un état voyou, que ces gens-là avaient les mêmes mentalités que eux, mais ils se rendent compte que l'État du Sénégal n'est pas un État voyou, comme le gouvernement du CNRD. Ça ne marche pas, il faut envoyer des agents. Parce que du côté de Dakar, ils peuvent rester aujourd'hui, coordonner le mouvement. Donc, ils veulent tout faire pour kidnapper Alpha Bayo, kidnapper Ibrahim Diallo du FNDC et beaucoup d'opposants du côté du Sénégal. Donc, le peuple de Guinée doit se réveiller. Le peuple de Guinée doit se réveiller. On a déjà parlé des jours à venir, à partir du 12 et du 13 août, sur l'étendue du territoire. J'ai dit aux Guinéens, nous devons nous lever. Nous devons barrer la route à ces voyous-là. Sinon, c'est la Guinée qui est foutue à jamais.